laissez le soin à chacun d'entre vous de commencer à couper chacun un petit bout de ruban pour nous permettre tout doucement de rentrer. Et moi, je le tiendrai encore. Et voilà. Et on rentre. Il y a des années de travail, de terrain, avec les habitants qui, j'ai le sentiment, se retrouvent pleinement chez eux ce soir. Ce travail, il prend certes les formes de cette architecture et de ces murs dans lesquels vous vous sentez d'ores et déjà bien, mais il prend aussi la forme et le fond de ces rapports sociaux développé au quotidien par les agents de la ville, par les associations, par les partenaires, au premier rang desquels Artsen, que je salue tout particulièrement du travail considérable qui a été opéré et qui s'est matérialisé avec le concours de la Direction régionale des affaires culturelles, et je vous en remercie, madame, et je vous remercie de votre présence, et bien de ce magnifique, je n'hésite pas à le qualifier ainsi, ce magnifique ouvrage qui fera date, je crois, non seulement à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais comme exemplaire dans le travail porté auprès des habitants, l'attention portée à la mémoire des habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray. Je crois que ce travail... Au-dessus de la rue des Petits Bois, la rue Félix-Fort prolongée. Il y avait d'autres baraquements là-bas. On appelait ça familièrement le village nègre. Mais ce n'était pas du tout péjoratif. Il n'y avait ni eau, ni gaz, ni électricité. On s'éclairait au pétrole et on allait chercher de l'eau à la fontaine du cimetière. Nous y étions dans les baraquements. On les regardait avec désir, ces maisons. Mais ce n'était pas pour nous. La rue de Béarn, j'y habitais pendant 8 ans quand j'étais gamine. En été, on pouvait jouer. Quand j'étais dans le bâtiment, j'ai bossé sur le quartier. Je faisais toujours les extérieurs. Il y avait un terrain de foot. Je donnerais cher pour voir le service. Je refaisais les fenêtres, les volets. J'aimais bien faire les extérieurs. On prenait des couvertures, on faisait des pique-niques. On appelle ça de l'humanité.